de l'association des étudiants de Porto-Novo pour l'unité et le développement, c'est que vous êtes engagés pour le militantisme. Vous êtes engagés pour le militantisme. Et lorsqu'on parle de militantisme, c'est un engagement collectif à une cause donnée. La cause peut être politique, elle peut être syndicale, elle peut être associative. Et pour ce qui vous concerne, c'est une cause pour l'association de Porto-Novo. C'est une cause relative à l'unité et au développement de Porto-Novo. Et en vous engageant comme ça, c'est que vous faites l'option de lutter, de combattre, de défendre pour que à Porto-Novo, on parle d'unité, on parle de développement. Et vous devez savoir, vous en tant qu'association, vous êtes société civile, et nous, politiques, nous ne sommes pas en opposition, nous ne sommes pas des adversaires. La société civile et la société politique doivent être en synergie, doivent fédérer ces efforts pour le développement de la cité. Chère Majesté, chers représentants de la marraine, la ministre Mathis Adigatou, chers représentants du parrain de l'événement, le ministre Jean-Claude Roussou, chers représentants du maire de la ville capitale, le maire Chalmay Niankoti, chers distingués invités, chers responsables de l'association des étudiants de Porto-Novo pour l'unité et le développement, chers responsables camarades étudiants de Porto-Novo et communes environnantes, chers membres du comité d'organisation des journées des étudiants de Porto-Novo, chers étudiants du département de l'OMI, chers camarades étudiants des universités d'Abomey-Calavi, de Paratou et d'Adjara. Soyez les bienvenus à cette célébration qui unifie et consolide les liens de la fraternité qui existent entre les étudiants de notre pays en général et ceux de la ville capitale en particulier. Mesdames et messieurs, chers camarades étudiants, avant tout propos, je tiens à exprimer ma gratitude à vous, chers étudiants, pour le choix porté sur ma modeste personne pour assister à cet événement de taille. Immense est ma joie d'être face à vous ce jeudi 16 juin 2022, qui marque le lancement officiel des cérémonies des journées des étudiants de Porto-Novo et communes environnantes. Comme nous le savons tous, aucune nation, encore moins une ville qui plus est la capitale d'un beau pays comme le Bénin, ne peut accéder au réel développement sans l'union des efforts de ses filles et fils dans une synergie d'action basée sur l'amour du prochain et surtout sur l'amour fraternel. Et vous l'avez bien su, en mettant sur pied l'association des étudiants de Porto-Novo pour l'unité et le développement à travers laquelle vous pouvez réfléchir sur les mots qui minent l'épanouissement, le développement, l'évolution et l'émergence des étudiants ressortissants de notre ville natale et des communes qui l'entourent. La jeunesse est le fer de lance et le développement de notre pays en général et de notre département en particulier repose sur cette couche que vous et moi constituons aujourd'hui. Il est alors bien que nous conjuguons nos efforts dans l'union et dans une franche synergie d'action afin de mieux relever les défis qui se pointent à notre génération. Mesdames et messieurs, chers camarades étudiants, c'est le mieux pour moi de vous notifier que l'avenir de ce pays est dans notre main. Il urge que chacun prenne conscience afin de travailler en ce qui le concerne pour l'atteinte des objectifs que votre association, que dis-je, notre association s'est fixée.
étant l'un de vos aînés, je puis vous rassurer que mon soutien à l'emploi de votre association ne fera pas défaut et je ferai ce que je peux pour le bien-être, l'épanouissement et la réussite des étudiants de la ville de Porto-Novo et ceux des communes environnantes. Que le bon Dieu, le miséricordieux, nous accorde une longue vie et une santé parfaite afin que nous puissions faire ensemble ce chemin qui fera de nous demain des leaders qui ont marqué leur temps à travers des actes nobles au service du plus grand nombre. Mesdames et messieurs, chers camarades étudiants, dans les prochains jours, le réseau RLB, attendez, Romulus Malik Diotou, que j'ai l'honneur de présider, procédera à l'inauguration de l'espace jeune RLB, sise à Tokota à Porto-Novo, qui est un carrefour d'informations, un espace d'échange, de prise en charge des besoins et des projets des jeunes par les jeunes, un lieu de loisirs, un centre de valorisation de la culture où la jeunesse sera formée et éduquée pour l'entrepreneuriat, l'indépendance financière, avec la connexion Internet haut débit, gratuite 24 sur 24, 7 jours sur 7. Des formations seront régulièrement faites dans ce centre, ouvert à toute la population de la ville de Porto-Novo et des communes environnantes sur des thèmes bien définis. Je profiterai de votre tribune pour formuler des doléances à l'endroit du gouvernement afin que des actions soient faites pour votre bien-être, que le gouvernement augmente vos bourses universitaires, augmente les résidences universitaires et simplifie les conditions pour leur obtention, réforme le secteur du transport commun des étudiants, veille à la qualité et à la consistance des nourritures dans vos restaurants et la construction des amphithéâtres pour diminuer les effectifs pléthoriques qui empêchent l'assimilation normale des cours. En un mot, mon combat pour vous est fondamentalement l'amélioration de vos conditions de vie sur nos campus universitaires. Je ne saurais terminer mon allocution sans rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, et son gouvernement qui favorise l'accès à l'éducation dans notre pays à travers des réformes louables, sans oublier les responsables de nos universités, les professeurs qui se chinent pour partager avec vous leurs connaissances. Vive l'Association des étudiants de Porto-Novo pour l'unité et le développement. Vive les étudiants du département de Lomé. Vive les journées des étudiants de Porto-Novo et communes environnement. Vive Porto-Novo, vive Adjaté, vive Fagonou, je vous remercie.